C'est le mec, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Barça. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Barça. D'après les informations de AS, l'ambition revient vite pour le Barça après un été cauchemardesque. Marqué par le départ de l'icône Lionel Messi, le club catalan aurait l'intention de frapper fort l'été prochain en recrutant un certain Kylian Mbappé. Cette information peut sembler aberrante vu la situation économique désastreuse des Blaugrana dont la dette dépassait le 1 milliard d'euros. Mais AS assure que le Barça aura amélioré ses comptes d'ici l'été prochain et aura plus de latitude sur le plan financier pour recruter et offrir des salaires importants à ses éventuels renforts. Édouard Roméo, le vice-président du club du FC Barcelone, avait laissé entendre qu'il faudrait attendre au moins 2023 pour voir le Barça viser de nouveaux cracks, mais la situation contractuelle de Mbappé libre en 2022 pourrait tout changer. Selon AS, le Barça, par rancunier, compterait confier ce dossier à Penny Zahavi, l'intermédiaire israélien qui avait notamment organisé le départ de Neymar au PSG en 2017. En outre, le club catalan serait prêt à offrir une prime à la signature démentielle à Mbappé de l'ordre de 90 millions d'euros. C'est bien plus que les 50 millions d'euros que le Real Madrid serait disposé à proposer à l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Visiblement, si le Barça peut shipper Mbappé à son rival historique, il ne va pas s'en priver. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée d'Mbappé au Barça, c'est vraiment possible? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous. J'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.